Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la partie 5, je crois, de Rayman Revolution. Donc on va passer la démo, qui en est à l'écran titre. Et finalement, vous savez quoi, j'avais baissé le son de la musique. Bien finalement, fuck les voix. Voilà, on va augmenter le son de la musique. Et on mettra plus de voix peut-être, hein. Je sais pas. Ou en anglais, elles sont peut-être plus classes. Non, elles sont toujours aussi nazes, je pense. Enfin, moyenne. La voix de Rayman encore est potable. Celle de Rayman, c'est la même par la suite. Oui, elle est potable. C'est... Donc, dans cet exemple, elle est pas très potable, mais d'habitude, elle est potable. Et elle est mieux dans Rayman 3. On voit que le gars, il a fait des progrès. Et je sais pas, est-ce qu'on va mettre à zéro les voix? J'hésite. Parce que les musiques elles sont tellement énormes que les voix vont peut-être empiéter un peu sur la musique. Ou alors je laisse. Bon, on va laisser comme ça, hein. Et on peut mettre en muet pour le fun. Partir. Normalement ça sauvegarder. Charger. Et c'est parti, nous sommes déjà à 29% quand même. Donc 30% grosso modo. On a battu le grand, le magnifique magicien vaudou. Crapaud. Qu'on voyait dans les airs, au-dessus d'un arbre. Et aussi dans une grotte. Ils étaient deux. Et maintenant, on se retrouve pour aller voir Maya l'abeille. Je veux dire Maya la baleine. Je sais plus comment elle s'appelle, la baleine. Voilà, faut aller à la baie des baleines, je crois que c'est. Alors, c'est quoi l'autre endroit là? Caverne du crâne, non, c'est pas ça. Donc, c'est la baie des baleines. En fait, j'ai juste avancé en face par rapport à la dernière fois, parce que là, vous vous dites, mais où on est? On a avancé de 10 heures, hein, ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, c'est juste parce que... avant, j'étais... Vous voyez, j'étais sorti du vortex et j'ai juste en fait fait 10 pas en avant et voilà, il y avait cet endroit ici avec un ascenseur, voilà, pour descendre dans les souterrains et profondeurs de l'enfer. Voilà. Ok, avec une plage, hein, c'est tout à fait logique. Et il y a deux ennemis qui nous accueillent. On va se les faire, hein, parce que nous, on n'est pas des chochottes, hein, on est des gamers. Hein. Ah, ils ont trop de vie. C'est quoi ces missiles chelous là? La caméra qui part complètement n'importe nawak. Attention, attention, mais ils sont c'est des psychopathes là. C'est des psychopathes. Bon, j'ai mis le son plus fort, hein, pour être plus dans l'ambiance là. J'espère que ça va pas trop empiéter sur le micro. Le magnifique micro qui prend bien les environs. Bien les bruits environnants, et par contre il prend presque pas à ma voix, c'est magnifique. Voilà. Ouais, peut-être que j'achète un vrai micro. Ça serait peut-être pas mal. Mais bon. Tant pis. Un vrai micro à 10€. Ça serait sympa. Donc là, je pense pas qu'on puisse aller dans l'eau. Parce que bien sûr, on risque de se faire bouffer par les piranhas. J'en ai vu un. Musique qui est un peu remixée là. Ah ok, c'est le point rouge, il faut pas se faire repérer par ce point rouge. Et si on se fait repérer par ce machin, voilà. Enfin, on peut pas ouvrir quoi. Donc faut chercher une solution, faut chercher un buisson quelque part. Ou alors monter ici. Peut-être détruire ce truc, est-ce qu'on peut le détruire? C'est quoi qui est en haut? C'est chelou. Une parabole du futur. Il y a la musique qui va en n'importe nawak. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce machin? C'est une pieuvre qui nous attaque là avec l'une de ses tentacules en polygone. Si je passe, ça passe. Ça passe! Ok, bon, en fait, je crois pas que ça passe complètement. Ah, faut faire la danse de la pluie, là.
Je crois que je vais mourir. Même pas. Je suis pas encore dead. Je continuerai jusqu'au bout. Jusqu'au bout de ma lâcheté. Je veux dire de mon courage. Oh purée. Purée. Alors, je pense pas que ce soit ça. Ah. Sanctuaire quoi? Bon, je m'en fous. Baie des baleines. Donc finalement, faut peut-être pas aller là. Ils disent d'aller au baie des baleines, mais... Il faut que j'appelle Globox, peut-être. En gros, je suis encore bloqué, c'est super. Ah là là. Ah, mais ça se trouve, c'est... Le truc du crâne de la mort qui tue tout, là. Ou alors... il faut trouver Globox. Mais Globox, il est bien caché. Hein. C'est jamais où est sa maison. Hein. Sa baraque. C'est un vrai ermite, ce mec. Il supporte peut-être le FCN, mais... D'un côté, c'est un ermite. Ça peut être un ermite pas net aussi, parce que... 650 enfants, c'est un peu chelou. Je pense pas que Machine là c'est sa seule femme. Ouais, arrêtons de dire des conneries, regardez-le, tout pépère, tout joyeux. Grâce à toi, Globox va pouvoir dormir tranquille. En fait, les petits ont trouvé de drôles de grottes dans le puits. Ouais bon, c'est peut-être sa façon de parler. Tu devrais aller voir. Voilà, il joue au football. C'est parti, hein. Qui va gagner, les femelles ou les mâles? Attention, c'est... J'ai jamais vu ça, moi. Une équipe de filles contre une équipe de gars là, au foot, c'est une grande nouveauté. Le son, il est hyper fort, là. Finalement, je crois que je vais refaire comme avant, parce que je crois que ça va empiéter sur le micro. Magnifique micro du téléphone. Oh, Rayman, tu as délivré mon Globox. Merci, merci beaucoup. T'es pas sa seule femme là, chose. Il y a des embrouilles là. Alors. Ils appellent ça 650 enfants, oui. Tout à fait, tout à fait. Non, je... C'est quoi ce truc? C'est le coach, hein? Il a une drôle de tête, lui. Ouais, on va vers les JPEG. Je sais pas où aller. On va pas vers le JPEG, parce que bon... Un JPEG, ça porte souvent malheur. Ah, emmène-moi dans la grotte, je te montrerai un chemin qui mène au bastion. Ah, mais je t'emmène comment? Ah! Pèse une tonne, bandou. On peut pas le balancer. Juste se poser. Emmène-moi dans la grotte. Ici alors? Ah bah non. Là c'est là où je venais presque. Mais non, pourquoi le script s'est enclenché? Sortir. Donc ok, il s'enclenche ici et je vois qu'il y a une pierre devant. En fait, faut le porter et puis marcher par là. Ah ouais, c'est ça. C'est scripté. Voilà. Les fameux vieux scripts hein, de l'époque. Voilà, Rayman qui s'amuse, qui fait un peu son clown. Comme d'habitude. Ça change pas. Il était un peu ridicule face au lapin crétin quand même. On va pas sauvegarder. Ça sert un peu à nada. On est déjà à 9 minutes. On n'a rien foutu en 9 minutes quand même. C'est assez magique. Allez, je te prends. Je peux pas le prendre. Ok. What the fuck, hein. Ne pas le prendre des fois, hein. C'est un peu mal foutu. Donc la baie des baleines. Et... Ah, il fait coucou, hein. Qu'est-ce qu'il fiche là? Il est en mode bug? Je
peux plus bouger. Voilà. Je sais pas ce qu'il faisait. Avance en silence et repose-moi dans le trou du mur. Le trou du mur. Tu veux dire le trou du mur? Ah, ça doit être en haut là. En haut. Pourquoi il veut pas aller en haut? Ah, c'est qu'il repose de base là. Trou du mur. Ah, bon, je sais pas ce qu'il fiche, hein. Il est bugué. Le trou du mur. Je me l'ai fait ou je me suicide pour récupérer de la vie? Je préfère me les faire. Baston! Parce que moi je suis un vrai warrior là. Un warrior des points jaunes. Attention. Ouais. Allez, jusqu'au bout je suis pour les Nantais. Hein. Dommage que mes points ne soient pas verts à la fois aussi. Bien sûr, on recommence d'ici. C'est magique. Ah purée, il est pas là. Ah si, c'est bon. J'ai un peu eu peur pendant une seconde. Il va falloir le reprendre. Donc bah, j'ai 50% de ma vie. Super. C'est magique. Attends, est-ce que je peux te prendre toi? Purée, mais il est bugué. Qu'est-ce que t'as? Voilà. Je te prends tranquillos. Avance en silence. Repose-moi dans le trou du mur. Il le dit si bien, le trou du mur. Le fameux trou qu'il y a au mur. Ok. C'est quoi son trou du mur? J'ai mal lu, c'est pas possible. En bas, il y a quelque chose. Non, il y a rien du tout. Et nada. Et donc bah faut remonter. J'adore les ennemis, ils entendent pas les bruits de pas même quand on est en train de courir. Ça fait logique. Ah, le trou du mur c'est peut-être en face là-bas. Ah oui, il y a des. Ah oui, il y a une flèche qui nous dit où aller. Donc c'est parfait. Déjà il dit d'avancer quand même doucement. Hein. Attention déjà au rayon rouge. Attention. Voilà, le trou du mur. La porte est ouverte, tu peux passer. Est-ce que je peux passer en marchant? C'est là la question. J'épouse à peine le stick. Hein. Oh, il vient. Je ne suis pas très tranquille dans ce genre d'endroit. Il y a deux gros ennemis à côté. Mais c'est pas grave, car un temps de chargement arrive. Donc on est tranquille. Le point faible de l'intelligence artificielle, ce sont les temps de chargement. Alors non. Parce qu'ils peuvent pas les passer. Quelle révélation! Ok, un aquarium avec des poissons, des tout petits poissons tout mignons. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a rien du tout. Oh purée, c'est quoi ce truc? Ah, il y avait un machin comme ça aussi, je m'en souviens. C'est pas une nouveauté. Une sorte. Cette version. Je sais plus du tout comment les battre là. Ah, on fait gaffe à leur rayon magique. J'ai l'impression que je lui fais mal, donc continuons ainsi. Allez. Un peu en train de m'électriser là, c'est dangereux tous ces trucs là. Bon là il va crever.
un ennemi assez naze, faut le dire. Aucune animation en plus quand je le touche. Quelle erreur monumentale! Là, bon, moi je vais dans l'aquarium, hein. C'est juste là où je peux aller. L2, oui, c'est vrai. Pas besoin de le répéter. Hein. Je n'ai pas une mémoire de poisson rouge. Comme les poissons rouges que j'ai vu passer dans cet aquarium géant. Ah. Voili voilou. Cette énigme résolue avec tant de facilité. Ça sent le piège après. Petit piège. Attends, on peut déjà grimper sur ces trucs là. Avec une superbe animation. Purée, non! Ok. Petit fail. Hein. Petit. Pas gros fail. Superbe animation de Rayman. Ah, purée! Attends, il n'y a même plus de vie. C'est logique, ça? Bon, en fait, ça sert à rien que je revienne là. Et il n'y a même pas de vie. Il y en avait avant, c'est quoi cette blague? C'est quoi cette blagounette à la Ubisoft là? Que se passe-t-il? Ah, là ça va pas disparaître. Hein. Non, c'est bon. Ah si, il y a une boule qui a disparu en face. Sur Piranha, saute tellement haut, c'est Piranha à deux balles. Ah, je crois que c'est pour renforcer mes points, ce truc là en dessous. Faut absolument le prendre. C'est un petit bonus qui dure pas très longtemps, je crois quand même. Mais bon. On va vérifier ça. Ah voilà, il y a que 3 points. Bon. C'est un peu moyen. Mais bon, toujours utile contre des ennemis un peu coriaces. Les points dorés du grand Rayman. Ça va faire mal, ça c'est un grand boxeur quand même ce Rayman. Un grand boxeur. C'est quoi cette blague? J'arrive pas à la voir. Ah bah non, je peux même en balancer plein des points. Bon, je crois quand même que c'est timé ou que c'est limité. Je pense. Hein. Parce que bon, on est un peu surpuissant avec ces points. Un petit saut. Ah, et par ici, il y a bien sûr l'interrupteur caché. Je vais d'abord prendre un petit lumière rouge parce que j'en ai vu un. Et c'est parti, c'est quoi ce truc en haut dessus? C'est juste un petit ennemi. De rien du tout, de pas côté, on va le finir. Finisher. Je sais pas pourquoi je peux plus balancer le truc. Ah, finisher. Et... c'est tout. Mais bon, on était déjà passé par là, quoi. C'est un ennemi qui a popé comme ça, hein. Tranquillou. C'est... tranquillo. Tranquillou, c'est avec un petit accent. Hein. Bien sûr. Voilà, c'est dur d'esquiver ces merdes. Ah, faut essayer de sauter. Voilà, je crois qu'il y avait un lumps jaune là-haut, mais bon, tant pis. Un nouvel ennemi. Il a changé de couleur. Incroyable. Je n'ai jamais vu des développeurs aussi... aussi malins au niveau du design. Le nombre d'ennemis est incroyable. On va se faire. Et adios amigos. Quoique, il avait encore de la vie, donc je me dis, oula, attention, attention, qu'est-ce qu'il va nous faire là comme coup? Non, bon. Ok, mais je l'ai tué en un coup quand même. Faut noter. Je
me concentre parce que je crois que je sens qu'il va m'attaquer par derrière. Cet imbécile. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-haut déjà? Petit bonus. Ok. On va revenir et prendre cette petite bombe. Et voilà, en fait je voulais mettre le son un peu plus fort parce que je me suis rendu compte que les musiques, bah déjà que de base je trouve que les musiques en son MIDI sont énormes, mais là c'est en orchestral, donc voilà quoi. Rien que ça. Putain, mais par contre viser avec une manette de PS2, mon dieu, voilà. C'est un peu galère. Sur la concentration de l'Oliver Plasma. Sion. Oui. Bon, avec un petit fail quand même, hein, c'était à côté, mais... Tant mieux. Ok, un anneau en 2D qui arrive. Coste par style. Bien sûr, c'est pour aller en haut. Voilà. C'était quand même assez prévisible. Hein. Ah, nous sommes déjà à 21 minutes. Je pense pas que ça va être une partie qui va durer fort longtemps. Quoique. Oh, c'est qu'il se fait un peu tard. Mais bon. Non. Nuit blanche de Rayman 2. C'est parti. Ah, pas mal les effets de lumière là. Tiens, notre pote Roxy là. Alors, les Rayman, Carmel, la baleine est enfermée. Le pirate veut lui prendre sa graisse. Sa graisse? Pour huiler les moteurs de leur vaisseau prison. Vaisseau pirate plutôt. Va vite la libérer, avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'elle n'ait plus de graisse. Oh non, je n'ai plus de bourrelet, non! Non, je rigole, la constitution de baleine c'est complètement différent. Mais bon, c'est pas grave. Alors. On va descendre tranquillement. Ouais, quand même que c'est assez bien foutu. Dans l'eau. Même si je pense que. Ouais, ils auraient pu faire mieux. Je ferai une version PS2, bien sûr. Mais je veux remonter vite. Et je suis dead. En fait, j'ai pas assez de souffle. D'après le livret du jeu, et ben, j'ai vu que c'est la baleine qui nous balançait en fait les bulles d'air hein, dans l'eau. Comment on peut savoir ça en fait? Parce que je la vois jamais la baleine en fait. Hein. Donc bon, je ne comprends pas Tolo. Esquive. On monte. Bon là ça va être tranquille. Alors où est la baleine? La petite baleine. Allez, je me souviens de cet endroit. Bon, sur DS c'était un peu moins beau. C'était Pixel Land. Mais je me souviens quand même de cet endroit. Vite, monte à la surface. Donc oula, là ça lag à mort. Ça lag à mort par ici. La PS2 en peut plus. Elle n'en peut plus. Allez, oh, alors là, quand je regarde vers ce rocher, c'est du 5 images par seconde. Ok. Et après, on dit que le jeu est très fluide. Je comprends pas. Ah bon, peut-être qu'on parle de la version N64 ou Dreamcast, hein, j'en sais rien. Ok, bon, moi, je prends pas trop les bulles d'air. Ça ne marche pas très bien. T'illumes ce jaune, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours mouche. Tu récupères des lumes ce jaune. En même temps, on a envie de. C'est quoi ces trucs là? Je crois que c'était des yeux. Devant, ça faisait un peu ça. Est-ce que je crève si je vais là-dessus? Je pense que oui. Ouais. Oh non, on recommence d'ici! Mais. Pourquoi?
Jésus, pourquoi? Alors bon, maintenant je sais où faut aller. On va monter. Donc la magnifique animation de notre chère Annie sans membres. Ah ok, c'est ici, c'est juste pour aller là. Pour avoir une vue du dessus. Et voir qu'il y a des lumes ce jaune même en haut. On a désactivé ça. Oui, oui. Oh, c'est répiré, attrape mes bulles. Ah ok, bon oui. C'était ça alors. C'était ça, fameux purée. Est-ce qu'on peut l'utiliser ce machin? Ça va pas servir à grand chose. Hein. Ah si, c'est pour aller là-bas. Ah bah ok, pour exploser ici. Ok, ok, il faut être assez minutieux là. Attention. Alors, c'était pour faire popper ces trucs-là en fait, le machin électrique là. Mais purée. Mais non. Ils sont énormes. On recommence d'ici quoi à chaque fois. Chaque fois qu'on crève, on recommence d'ici, c'est assez énorme. Oh purée, c'est quoi ce machin? Ah oui d'accord, c'est ce truc que j'ai libéré. Il est un peu gros à mon goût. Mais attendez, si je le suis, non, c'est pas possible, faut pas que je le suive. Faut d'abord que j'ai le petit bonus en plus là. C'est-à-dire là où. Ah tiens, j'ai plus les points dorés. Ah, tant pis. Mais il faut d'abord que j'ai le petit bonus en plus là avec la bombe. La bombe à retardement. La bombe sur patte. L'obus sur patte. On va prendre l'obus qui est ici. Qui fait le maboule. Ah, on va peut-être prendre un peu de vitesse en commençant par là. Je sais pas moi. Ah oui, c'est le sprint. Bon, je suis gardé. Ok, alors là, je tourne en rond. C'est parti. Donc c'est carré pour accélérer, je pense. Donc allons-y. Allons-y de bon cœur. Oh, purée. C'est perfecto. Magnifique, une cage. Allez, une cage qui veut pas péter, c'est bon. Ok, j'ai rêvé ou j'ai cru voir un lume se jaune et il a disparu. Ok, j'ai peut-être rêvé. Ah, si ça se trouve, c'est l'interface en fait. Il y a le lume se jaune en haut à droite. Complètement con. On va essayer d'avoir les lumes se jaunes en bas. J'ai pas trop la respiration requise pour avoir ces lumes jaunes. Allez. J'ai la modélisation de ce coquillage. Enfin de ce Bernard l'ermite. C'est incroyable. Va me faire bouffer. Allons-y à toute allure, en respirant un peu pendant les magnifiques bulles d'air de notre cher ami machin la baleine. Je ne retiens jamais les noms. Je vous avais prévenu. Et pourquoi elle avance à 2 à l'heure là? Dans les algues, carrément. Petit temps de chargement. Ça doit être un peu chaud quand même de reprendre sa respiration avec des simples petites bulles d'air quand même. Je sais pas comment il fait Rayman, ni Sonic d'ailleurs, je sais pas comment ils font. Bon, le pire c'est Mario, il respire sous l'eau.
c'est encore plus imprévisible. Je vais pas sauvegarder. Ouais, magnifique. Il... C'est que t'as des beaux yeux. Un super compliment pour une baleine. Un des piranhas aérophages arrive pour prendre mes bulles d'air. Aérophages. Ok. Je veux tuer ces piranhas de merde. Ce piranha aéro machin. J'y arrive pas. Ah ok, quand ça clignote, ça veut dire qu'il va bientôt disparaître le machin. Sympa, ce petit niveau aquatique. Y'a plus qu'à mettre le thème aquatique ambiance et on y est là. Donkey Kong Country 3D. J'aurais aimé. Ça dégage ces trucs là. Ok, je peux aller là-dedans là, par là. Et on reprend l'air à mort, à max. À max, on gonfle à max ses poumons avec des petites bulles d'air. Alors ça va être le petit truc bonus. Ah, checkpoint. Alors on va sur le bateau pirate, hein. Ok, je fais quoi là? Bon, peut-être là-dessus. Et on peut passer par là. Ah mince, on va glisser, je crois. Donc ça va pas être pratique. Ouais, on glisse. Je suis pas un pro de la glissade, moi je suis pas un pro du surf, donc voilà. Excusez-moi si je fais de la merde. Mais j'ai réussi à avoir tous les lumes jaunes, c'est la première fois de ma life que j'ai réussi à avoir tous les lumes jaunes dans une phase comme ça. Ah ok, là c'est la fin du niveau. Donc on est qu'à 36 sur 50 quand même. On a loupé pas mal de lumes ça. C'est un peu chaud d'avoir tous les lumes, mais moi je crois que j'ai un peu trop la flemme d'avoir tous les lumes. Voilà. Je suis pas trop un chercheur passionné, voilà. C'est pas trop mon style. Oh purée, c'est quoi ce machin là? Ok, bon, t'es obligé de te faire toucher par cette merde. Si je peux. Ah, on peut même pas le tuer. On est obligé de bourriner. Bon, alors lui il va peut-être dépoper, hein. Il va peut-être se téléporter. Alors même pas, il marche quand même. Quand même violent hein, ces espèces de globox métalliques là. Ah, il ressemble trop à des rugbyman. Ce fut la fin du niveau. Nous avons sauvé l'armée la baleine. Voilà son nouveau nom. Le nouveau nom de la baleine. Accès refusé, mais tu rigoles. J'ai presque tous les lumes jaunes et tous les lumes bleus. C'est quoi cette blague? La magie des temps de chargement. Ah, je suis encore à 50% de ma vie. Pas au plus grande ma forme. Raymond, sans Globox, ni Carmen, tu ne pourras pas rentrer dans le temps. Mais quel temps? Sans Globox ni Carmen, tu ne pourras pas entrer dans le temple. Ouais, mais j'ai sauvé les deux, donc en fait, ça sert à quoi? Ils me disent là. Ils parlent de quel temple là? Le temple des crânes de cristaux là? Et c'est quoi cette blague? Voilà, c'était juste ici. C'était juste en face. Attends, il y a un passage en haut là. Ça m'intrigue un peu. Avec la lune ou le soleil. Là il y en a deux. C'est un peu chelou. Mais vous comprenez pas, c'est les étoiles du monde merveilleux et magique. Ok, Rayman. Voilà.
monde de Rayman. Voilà. Voilà Globox. Bien reposé. Bien repose. Avec toi. Attends. Voilà. Globox, bien repose. Ok. Je crois qu'il n'y a pas les accents, donc c'est bien, bien reposé. Vais pouvoir aller avec toi. Ok, donc il vient avec nous. Carmen, comment elle fait pour qu'elle vienne avec nous là? Je pense pas qu'elle, qu'elle puisse aller sur le sol. Hein. À part si c'est une super baleine. Ah bah tiens, il vient avec nous. Même dans le puits. C'est incroyable. Bon, par contre, il faut pas qu'il traîne. Donc maintenant, nous sommes en compagnie de Globox, notre très cher Nantais. Bon, allez, j'arrête ce délire. C'est un délire qui ne veut rien dire, en plus. C'est juste parce qu'il a dit « Allez, Redman ! Allez, Redman !» comme un vrai supporter, là. Ouais. Il était tellement à fond, le doubleur, là, quand il a dit « Allez, Redman !» On le sentait, là, vraiment sortir de pas de ses gonds, mais parce que sortir de ses gonds c'est être énervé, mais sortir, je ne trouve pas le nom. Donc alors Carmen peut aller sur la lave, hein, je pense, et Globox lui peut nous balancer de l'autre côté. Bon, je sais pas. En fait, j'en sais rien du tout pour Carmen. Ce Globox c'est bien, il nous suit et tout, mais Carmen la baleine, là, qu'est-ce que... Comment on l'utilise? Telle est la question. Et je ne vois rien à cause de Globox. Ah, il peut peut-être détruire la tentacule ultime. Ah bah, elle est même plus là, la tentacule. C'est Carmen qui a tué la tentacule. Elle a tué la pieuvre magique. Alors, oh purée, c'est quoi ce bug? La fleur qui pop comme ça sur nous. Il ne veut pas bouger. Ah, si tu veux. Faut être un peu patient quand même. Allez, petit checkpoint. Si je vois pas trop à quoi ça sert, puisqu'il y a un temps de chargement après. Donc je me dis qu'à chaque temps de chargement, il y a un checkpoint. Bon, s'il n'y a pas de checkpoint, ça veut dire que le checkpoint juste avant, le temps de chargement, bah, ça veut dire qu'on va devoir se taper le temps de chargement à chaque fois qu'on vient ici. Ça sera un peu con. Ah, mais c'est le fameux niveau de la lave, là. Ça va être classe, ça. Avec les prunes qu'on doit faire tomber, là. Il n'y en a pas. Ok, un ennemi fou furieux, un ennemi fou furieux. Attention. C'est bon, il est déjà mort. Ils sont un autre ennemi fou furieux là. Ils sont tous fou furieux, ma parole. Ils sont. Ils pop à l'infini ou quoi? Oh, c'est bon. Ça a l'air de passer. Ah, ici. Il a pas peur, Rayman, il a pas froid au dos. Hein. Mais non, je voulais. Purée. Ah là, comment c'est pratique. Ah non. Faut moins que je touche la croix, mais. Fichtre. Et on recommence au tout début. Là où il y a le checkpoint. Je pense en plus qu'il n'y a pas de prune.
Y a pas de prunes qui viennent. Je me souviens sur la version DS, il y avait des prunes. Comment est-ce possible? Pourquoi il y en a pas ici? Peut-être plus tard. Ok, donc là, petit coup de ça, on monte, on fait ça, on fait des galipettes. Ah ok, c'est d'ici qu'il fallait avoir machin. Ok, c'est très pratique la visée, très pratique. Et l'anneau qui va derrière. Ah, c'est peut-être pour avoir le bonus là-bas. Que j'avais vu. Le bonus des points. Ah, c'est juste, hein. Ouais, ça doit être ça. Et voilà le bonus des points. Je suis Rayman Gold. Rayman s'est entraîné pendant 6 mois pour avoir cette technique. Les Gold Gants. Merde. Ah, c'est une petite référence à un certain OAV, hein, d'une certaine série animée que je pense que tout le monde connaisse. Hein. Si je dis juste des BZ, hein, je pense que ça... Ça en dira à certains. Ah voilà, la prune magique. Quand même, on peut aller sur la lave avec une prune. Vous voyez un peu le délire quand même des développeurs. Saute pour monter sur cette prune et tire pour avancer. Attention, la prune bouge dans le sens opposé à ton tir. Si tu veux la saisir, place-toi en face. Tu peux l'acheter en l'air en pressant croix. Et la jeter devant toi en pressant carré. La prune permet d'aller sur la lave et sur l'eau. Et rien n'empêche de la planter sur un pieu. Et comme dans Rayman 3, quand elle est loin, tire dessus pour la déplacer. N'hésite pas à l'utiliser contre tes ennemis. Voilà, tu parles un peu trop. Voilà. Désolé de te le dire, mais c'est comme ça. Ah là, cette physique. Mais purée. Pourquoi elle sautille sur la lave? C'est complètement con. Ah, il y a une musique spéciale quand on prend la prune sur Rayman 3. Je sais pas si c'est pareil pour celui-là. Non. Il y a carrément pas de musique en fait. C'est juste des bruits d'ambiance. Attention. Pour être dans l'ambiance. Ok, bon, c'est un peu moyen. Attention, on est sur une toile d'une espèce horrible. Fais gaffe, hein. Peut-être que cette espèce, qui est, j'espère, en voie de disparition, ne m'embêtera pas. Ah bah non, là, c'est ses copines, les poux. Voilà. Les poux noirs et géants de son bac. Ok, je peux plus avancer. Bon, j'ai pas trop compris à quoi servaient les prunes. Normalement, on peut les faire, on peut les mettre sur les... Ok. Ça nous attaque par derrière. Mais c'est fourbe ce truc. Je peux plus avancer. Sinon, j'ai entendu un bruit. Un bruit chelou. Y'a des ennemis qui arrivent. Ah non, y'a rien. Ah. Voilà, les magnifiques arbres. Les pruniers, hein, vous voyez. Là, normalement... Ok, la prune a disparu. Elle a disparu de la surface. Thank you.
réfléchis, mais... Un petit lancer, bah à part lancer par là... Je peux lancer en bas, mais bon, c'est un peu moisi, quoi. Non, je vois pas trop, surtout qu'il y a que de la lave ici. Sanctuaire de pierre et de feu. Alors je la balance pas, je la laisse comme ça. Et je vais donner un petit coup de poing. Elle va tomber, elle va tomber. Ah mais pourquoi elle saute? Je crois pas qu'elle sautait sur EDS. Ou alors peut-être que si, mais je m'en souviens plus. Je crois qu'elle naviguait juste sur la lave. La lave d'ailleurs qui a quand même, on va dire que la texture a très mal vieilli. Ok, il fallait peut-être aller là, je sais pas. Je suis même pas allé en bas. Il y avait deux passages. De toute façon, le passage d'avant, c'était pour reculer. Parce que là, ça me dit rien, quand là, c'est un nouveau passage. Ok, donc un nouvel endroit dans une espèce de pyramide volcanique. Ça me rappelle quelque chose, ça, il va y avoir un boss pas loin. Et je vais essayer de détruire cette caisse. Pour l'instant, on avance tranquillement. J'ai entendu quelqu'un appeler de l'aide. Bon, c'est là. Oula, il y a 8. Purée, 8. C'est énorme. Eh, quand même 8 cages. C'est quand même pas rien. De nombreux passages secrets ici, je suis sûr que j'en ai loupé plein des caches. Ah, il faut balancer là-dessus, on voit pas grand chose, mais on voit une petite texture avec une croix. On dit bah tiens, bah c'est là qu'on doit taper pour pouvoir faire tomber ses piliers. J'ai fail, je sais pas, il a pas sauté, il a pas voulu. Ah mince, j'ai pas vu qu'il y avait un trou. C'est juste, hein. J'ai vraiment plus beaucoup de vie, hein. Comment je veux passer ce truc? Je peux taper ce machin, hein. Cette bouche enflammée, hein. Ouais bon, ça fait rien. C'est tranquille. Ah oui, il y a quand même le petit effet là. Attendez, petit effet. Ah, j'ai entendu un bruit chelou. C'est un petit du jeu. Ah ouais. Bon. Bizarre comme musique. Je vais mettre le son un peu plus fort parce que ça me fait un truc bizarre. C'est tout autant bizarre en fait, même quand on met plus fort. Donc, en fait, ouais. Je ne sais pas, c'est une espèce de voix chelou, une voix vaudou. Donc, comme vous pouvez le voir là, il y a un petit effet, hein, voilà, un petit effet sympathique. Hein, on voit que ça, que le feu crame un peu le sol. Voilà. Voilà, un petit effet sympathique. Bon, ils ont juste eu besoin de faire, de faire le sol noir, mais bon, c'est pas grave. Juste de faire une couleur carbonisée. C'est le minimum, c'est le minimum syndical, c'est quand même bien. Petit effet sympa. Chopper!
Voilà, c'est ça que j'entends en fait. C'est chelou. Ok, il y a des chauves-souris. Purée, d'accord. Hey, elle nous fonce dessus, hein. Moi, je suis mort. Et c'est encore. Et fichtre, on recommence ici. Pourquoi, pourquoi? Ah, c'est là que le jeu il commence quand même vraiment à être dur. Là. Il commence à être corsé quand même. Il n'y a jamais de vie ici. Okay, on va descendre tranquillement. Purée, mais pourquoi il a pas sauté là? Des fois il saute pas. Ouais, on saute direct là. On s'en fout des flammes là qui vont arriver. D'ici peu de temps. Petit checkpoint. On tape sur ça et on attend. On peut être impatient. On n'est pas un speedrun. Hein. Oula. Il y a un petit trou. On n'est pas un speedrunner. Je pense pas que je vais speedrunner Rayman 2, perso. Fail, possible. Il s'est cogné sur le mur. Qu'après j'ai perdu de l'altitude. Ah, là aussi c'est cogné sur le mur, c'est pas grave. Ouais, pas bien pratique. Hein. On va se faire les espèces de chauves-souris. Hein. Un peu chelou. Mais c'est pas vrai. Elles sont impossibles à voir. J'espère qu'elles vont pas venir ici. J'ai pas l'impression. Checkpoint qui sert pas à grand chose parce que je pense que là il me reste vraiment qu'une vie. Oula, une boule de feu qui arrive. Je crois qu'il faut sprinter là. Pas le temps de faire le con. Puis en plus elle nous vise, ouais c'est ça. Donc faut sprinter. Et j'ai envie d'avoir la cage en même temps, là, putain de cage de merde. Ah, la flemme, je veux pas prendre la cage. Allez, c'est trop chiant. Il vise tellement comme une merde. Comment ça se fait que j'ai plus de vie qu'avant? Avant, j'avais repop, j'avais à peine la moitié. Là, j'ai eu toute ma vie. C'est bizarre. Peut-être parce que le jeu a considéré que j'étais allé plus loin, qu'il m'aide dans mon périple. Ou alors que j'ai eu de la chance. Ou alors que le jeu a pitié de moi parce que j'ai déjà perdu une fois avant. Donc voilà. Je pense plus que c'est ça. Allez! Concentration. Bon, les chauves-souris, je vois pas trop comment passer ce passage. Mais voilà. Ça, je crois qu'elles peuvent nous toucher qu'une fois. Maximum. Après, elles ont pas le temps de nous avoir une deuxième fois. Ça se trouve, faut sauter là. Est-ce que je vais les avoir? Ah, et en sautant, c'est bon. Ça passe. Allez, barre-toi, barre-toi. Putain, barre-toi. Saloperie. Voilà, boule de feu qui arrive. Boule de feu de Mario, attention. C'est quand même quelque chose, cette boule de feu. Voilà, on va avoir ce truc. Une mini-araignée, on se demande ce que ça fout là. Ok. Elles ne font pas perdre trop de vie. Checkpoint. Il y a beaucoup de pièges ici.
C'est assez vicieux. Oh là là. Passage de psychopathe. J'espère qu'il n'y a pas des chauves-souris en plus. Sinon là, je die. Vite. Ouais, j'ai compris le truc. Un truc à droite, j'ai l'impression, mais bon, on s'en fout. Non! Oh la chance! Il fallait pas le faire trop tôt. Donc, ok. Ok, donc là, c'est ça. Parfait, il y a des. Il y a des lumières rouges, ça c'est parfait. Pour être full life. La porte s'est fermée derrière, une araignée géante. Comme par hasard, j'ai envie de dire. Ok, je l'ai eu en deux coups. Donc, elle est clignotée très longtemps. Ok, ça c'est pour avoir de la vie. C'est tout. Il n'y avait pas une trappe ou un truc comme ça où on tombait ou alors même pas. On peut continuer. Oula. J'ai eu peur. Qu'est-ce que c'est que ce bruit de cheval d'un coup là? C'est parti. Ah putain, fallait que je prenne de la vitesse là pour pouvoir sauter. Je l'ai fait un peu trop tard. Purée. Mais. Bon attends, est-ce qu'on peut sauter? Ah bah oui, on peut sauter, purée. Loul. J'ai l'impression que je perds pas de vie quand j'ai les points dorés. Après, quand je tombe comme ça, c'est à la place je perds mes points dorés. Déjà quelque chose à savoir. Voilà, petit saut mal fait. Oh là, ce looping. Ah putain. Alors, en même temps, j'appuie plein de fois sur quoi pour pas que qu'il ne saute pas quoi, parce qu'il saute pas en même temps. C'est un problème, il a moitié buggé le machin sur patte là. L'obus sur patte. C'est bon, ça passe. Ah, ce qui est bien, c'est qu'il allume ce rouge à chaque fois, il repop. Ça, c'est sympa. Quoi? J'ai rien compris. Ok, bug. Bug de collision. Je vois que ça. Parle pas trop. Il faut vraiment sauter. Purée, non, quoi? Mais je comprends rien. Allez, des fois il explose, des fois il explose pas. Voilà, c'est quand il a envie, quoi. Voilà, c'est complètement con. Ou alors, est-ce qu'on peut le redresser, quoi, pour qu'il tombe sur ses pattes à chaque fois? J'ai l'impression que oui. Alors, faut sprinter. Ok. I don't understand. Ah là. Sion. Ah, il fallait faire ça, voilà. Il fallait mettre le stick directionnel en arrière quand on saute. Pour pas qu'il faille. Faut courir sur la lave. Et sauf sur la lave qui bouge. Attention. Lave qui bouge. Bien sûr. Et bien heureusement, franchement, que. Purée. Heureusement que. Heureusement que c'est bugué.
Enfin voilà. Heureusement que les lumes rouges repop à chaque fois. Voilà, de fail à chaque fois comme ça, c'est un peu honteux. Concentration. Voilà, j'ai pas fail. Purée, mais qu'est-ce qui branle? Ah. Ok. On peut se rattraper quand même. Désolé pour la grossièreté, mais voilà quoi. Ça me saoule un peu quand cette maniabilité ignoble là, voilà. Cette maniabilité ignoble m'énerve un peu. Attention. Attention, mais c'est quoi ça? Mais purée, mais non, mais franchement, c'est quoi ces collisions? Ah, je me souviens de ces conneries sur DS aussi. Ah, c'était ignoble. Ces phases-là, je trouve qu'elles sont, bon, elles sont pas ratées. Enfin, si. Elles peuvent être bien si en fait, bah, y avait pas ces bugs de collision, quoi. Voilà. C'est dommage. Voilà, faut mettre le stick en arrière à chaque fois qu'on saute, quoi. C'est un peu chelou comme principe, hein. Purée. Ah, mais en fait, on peut pas aller sur la lave. C'était un bug, en fait, l'autre fois. Ou alors, je vais sauter, voilà. Faire comme si la lave, c'est vraiment mauvais. Pour l'obus. Alors que ça se trouve, c'est pas mauvais. Pur. Pourquoi il a fait ça? Ouais, j'ai peut-être mal orienté le stick. Concentration. Puis on fait encore le looping à la Sonic Generation. Ou à chaque Sonic. C'est vous qui voyez. Purée. Mais purée, hein, en sautant, c'est encore pire. Et pourtant, j'ai fait stick directionnel vers le bas, quoi. Pour un peu remonter le machin, et merde. Purée. C'est quand même chelou, quand même, hein, comment ça se dirige. Hein. Mais aussi, comment ça se fait que ça puisse voler. Ah bah, si, si. Bien sûr, il y a le propulseur. Vous me direz. Mais bon, c'est quand même un peu bizarre. Ils volent quand même assez facilement pour un simple propulseur, quand même. Un propulseur 3000. Purée. Alors, on va pas rester des heures ici, hein. Je vais finir par couper. On a combien de minutes là, enfin, là. Je vais pas regarder en même temps, sinon je vais me viander. Waouh, waouh. Calme-toi, l'obus. Ne te surexcite pas. Tout va s'arranger. En moins de deux. Je gère la fougère là. Ça veut rien dire, purée de chez purée. Bon, nous sommes à... Purée, nous sommes déjà à 1h04. Ça se trouve, je suis planté ici depuis 20 minutes. Je verrai ça dans le montage. Ah, peut-être la petite technique, hein, purée. Petite technique de Benny Hill, pour ceux qui ont compris. Hein. Bien sûr, c'est ceux qui ont regardé le let's play Star Fox Adventures. Purée, mais j'ai explosé, je sais même pas pourquoi. Mais c'est ouf, hein. C'est incredible. Peut-être qu'on peut cut en bas, hein, je sais pas. Ok. Le level design est quand même bien inspiré, je trouve.
Le problème, voilà, c'est la jouabilité qui ne tient pas, quoi. Ah, ah. Putain de... Ah. Réussi. Ouf. L'obus a explosé, mais j'étais sauvé. Je sais pas comment, mais voilà. J'ai esquivé cette explosion. Là, je crois qu'on va avoir affaire au boss. On va peut-être faire une petite sauvegarde, hein, parce que ce passage m'a épuisé. Donc alors, qu'est-ce que nous avons cette fois-ci? Bah, finalement, une petite partie, c'est une grosse partie, voilà. Mais bon, j'ai envie de finir ce niveau-là. Donc voilà, ça a peut-être duré une heure, je sais pas combien. Et mercredi. J'ai l'impression que j'ai fait une grosse merde. Je préfère me suicider. Ah, parce qu'en fait j'étais en bas tout à l'heure. Et si bah je ressautais en bas, je me retaperais tout depuis le début. Mon dieu. Donc là qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, ou si ça se trouve faut revenir ici. Un autre endroit peut-être. Bon. On est des fous. Hein. J'espère pour l'amour de Zeus que... Qui sait pas ça. C'est pas ce que j'ai ressenti au début. Mon dieu. Oh my god. C'est tout à fait ça. Voilà. Magnifique lieu que nous allons pas revoir parce que ça m'énerve. Donc je vais couper et on se retrouve de suite. Heureusement que j'ai pas sauvegardé là. Sinon, mon dieu. Et j'espère qu'il va vraiment me mettre là où j'ai sauvegardé. Ça me fait un peu peur. Ah, quoique, je suis peut-être pas obligé de couper. Moi, charger direct. Je trouve qu'il fallait quitter et tout. Allez, chargement. Ouais, mais. Faut passer par où en fait? Par là? Quoi cette plante? Ah, on peut faire tomber ça. Mais ça sert un peu à rien. Sauf si... Finalement ça sert à quelque chose peut-être. Hein. Faut remonter en haut. Ça a peut-être fait popper cette poire, hein, j'en sais rien. Mais en fait je crois qu'on est arrivé d'ici avec une poire. Si je dis pas de conneries. Ouais d'accord. C'est magique. Donc on va pas sauvegarder pour l'instant, hein, j'ai un peu peur. J'ai pas trop envie de tout me retaper, voyez-vous. Est-ce que si on fait ça, ouais, il balance super fortement quand même. Un peu trop musclé les bras, même s'il en a pas des bras, mais bon. Allez. Purée, c'est quoi cette physique? Quelle est cette physique? C'est pas du Half-Life 2, hein, je peux vous le dire. Ok, bon, la poire qui a disparu. Allez, grouille! Purée, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette physique?
purée. Voilà, alors on va attendre qu'elle bouge un peu moins. Ou non, allez, on va aller direct. Voilà. C'est parti. On va voir si c'est le bon endroit quand même. Je suis pas sûr, mais bon. J'ai l'impression de tourner en rond en fait. Quoique, il y avait pas ces poires avant là. Ah bah si. Et j'étais monté, je crois, ou je sais plus. Magnifique. Quelle rattrapation. Je sais pas si elle vit. Je pense pas. J'espère que non. Mais non, je. Je suis pas à balancer. Alors vas-y. 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 On descend. Et. Il y a un ennemi. Déjà, ça c'est une nouveauté. Je suis pas allé ici. Je me dis finalement en fait on est allé là-bas c'est juste pour sauver quelques cages en fait. Magique, c'est magique. Oh des ennemis. Un ennemi tout rond, rond, qui se cache derrière le pilier. Purée. Bon ok, on s'en fout. Ah, il nous attaque! Ok, c'est un espèce de mini-boss. Bon, il nous attaque encore. Là, le crapaud, le maître crapaud magicien. Le magicien vaudou, on le voit plusieurs fois, finalement. Il a plusieurs frères. Bon, allez, viens. Ok, en fait, faut partir pour ne plus le voir dans l'écran. Je comprends pas trop l'IA de ce truc. Je l'ai. Allez, on entend un espèce de bruit quand il arrive vers nous. Donc là, il est derrière son truc, donc on se barre. Ah, faut lui tourner le dos. Je comprends rien à cette IA. Je pense que vous êtes pareil que moi là. What the fuck? C'est quoi cette IA? Mais je me souviens d'un truc comme ça aussi sur DS. Le petit souvenir qui remonte. Voilà, il est dead. Ennemi un peu inutile. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là? Faut mettre la poire? Non. Oh purée, il y en a un autre. C'est quoi cette blague? Oh tant pis. J'ai l'impression qu'il y a un autre ennemi du même style. Mais bon. On va pas se faire chier, parce que j'entends un bruit, mais bon. Ah, ça s'en nous servit de pour monter par ici. Et la magnifique forêt, il n'y a plus de lave. Ah voilà. Je pense que ça va être le fameux boss.
Oui, voilà, c'est un niveau assez imprévisible quand même. On va sauvegarder. Parce que là, je suis sûr qu'on avance. Et là, finalement, on recule. Voilà. On recommence le niveau. Là, j'aurais peut-être pas dû sauvegarder. Au moins, il y a une poire qui va tomber. Voilà. La poire magique. C'est complètement logique. Surtout pas tomber dans la lave jaune, je parie. Une petite phase, une nouvelle phase. J'ai failli tomber. Purée, je suis tombé. Loul, comment j'ai fait? Comment j'ai fait pour mériter ça? Que se passe-t-il? Je n'arrive pas trop à contrôler ma trajectoire. Non. Je déconseille d'aller là-dedans, Rayman. Attends, j'ai l'impression qu'il faut faire un grand saut après. Ok. J'ai tout loupé, c'était le perfect. Attention aux ronces. Il y en a qui pop de partout là. Et je suis sûr qu'on se fait one shot par ces trucs là. C'est obligé. Bon, pour l'instant ça se passe correctement. Purée. On arrive bientôt à la fin. Ça sent le boss, ça sent le boss. Je pense qu'il va encore y avoir un niveau. Ça va être magique. Un niveau prise de tête avec un obus, voilà. On sauvegarde encore. Je suis un fou de la sauvegarde là. Je sens que le jeu a augmenté en difficulté. Hein. Il y a un pic de difficulté d'un coup là. Attention. Ok, ça a mis 3 plombes. Donc ça sent vraiment le boss là, parce que ça a mis 3 plombes à sauvegarde. Ah bah non. Non, ça sentait le fail en fait. Ça sentait le fail en effet. Et il y a ça. Bon, il y a une cage quelque part, mais je sais pas où. Donc on s'en fout. Hein. Bon, les cages, c'est pas la priorité. Nous, ce qu'on veut, c'est juste finir le jeu. Toi. Les cages leur à moins de 3 par contre sont très faciles à trouver. Sion. Ah là ils font des trous jaunes au milieu maintenant. Pas bien difficile. Ah, et le boss, il est là, il est magique. Ah non, toujours pas. Mais quand va-t-on voir ce fameux boss de pyramide? Je vous spoil déjà avec la gueule du boss, mais c'est pas grave. C'est un peu une copie de l'ancien boss, en fait. C'est un peu moisi, quand même. L'ancien boss qui était plutôt un mini-boss, alors que lui, il va être beaucoup plus balèze, quand même. Ça va pas être... Ça va être autre chose. Ok, il y a cette espèce de poux. Les poux volantes. Hein. C'est magnifique. Alors, est-ce que la sphère peut être défoncée par le feu? Non. Donc c'est bon, on y va. Pas bien difficile, ça fait franchement penser. Bon, les poux serpentins maintenant.
ça fait franchement penser à comment? Franchement penser, qu'est-ce que j'allais dire déjà? Oui, un ancien niveau quoi, enfin au niveau dans la grotte du méchant, pas beau, vilain, magicien. Ok. 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 Ok, bon bah je crois qu'il faut poser ce truc là. Et avancer ceci vers nous. Et prendre le truc et aller dessus, c'est ça? Ah ouais. Ah mais attendez. Un peu compliqué là, c'est un peu du level de ouf. Hein. Peut-être comme ça. Et comme par magie le truc il nous retombe dessus. N'importe quoi. C'est nawak. C'est n'importe nawak. Ok, un pou. Un deuxième pou volant. On est content. Les pou volants en 2D sont de retour. La magie du JP. Ok, c'est là-bas. Donc, quand va-t-on voir ce fameux boss? C'est un mystère. Attendez, je vais le mettre le son un peu plus fort. Une fois une musique assez sympa, mais il faut monter je ne sais où. Ah, ça c'est ce que j'ai déjà fait avant. Donc je pense qu'il faut aller en face. Bien sûr, il y avait une plateforme. Ah non. Ah ok, on pouvait carrément aller dedans. J'avais pas vu que c'était un trou. J'avais cru qu'il y avait un mur au fond. Bah oui. Je sauvegarde beaucoup. Hein. Purée, 1h24, mais c'est incroyable. Ah, je suis désolé de faire une vidéo aussi longue, mais je sais pas, je veux en voir le bout de ce niveau, moi. Donc là c'est du banzai là, attention. Eh hey, banzai. On a réussi. Ah c'est sinistre hein, ce lieu quand même. En tout cas, la bande son elle est très mystérieuse. Et là très fofolle d'un coup, et j'ai failli. Allez c'est parti. Concentration du grand Oliver Plasma. Il va fail. Pas envie de prendre tous les lums. Du moment que j'en ai assez pour un peu upgrader mes coups spéciaux, attention. Quelle est cette fourberie? On va
va se concentrer là. Saute par les cheveux. Donc fais gaffe à pas tomber dans la lave de l'autre côté. Je pense que c'est good. On fait regaffe à ne pas tomber dans la lave de l'autre côté. On saute, on prend le truc direct. C'est bon, j'ai compris le truc. Et... il y a la musique qui surexcite toute seule. Le jeu, il se dit, oula, il y a un boss qui arrive. Faut stresser le joueur, tu vois. Je crois que c'est juste un jingle de la victoire, en fait. Un peu évolué, là, en mode orchestral et tout, attention. C'est pas un simple jingle comme dans Zelda. Ah, voilà. Gardez un bouchon de pied de feu. Je rêve ou c'est pas la pyramide? C'est ce truc là qu'on doit combattre là? Ah non. Ah, faut aller derrière. Ah si. On va combattre la fameuse pyramide. Quoi? C'est vraiment un niveau chelou quand même. Le niveau de la pierre, de la pyramide magique. Ok, bon, je crois qu'il faut aller sur ce truc en fait. Pas se poser de questions. Je me souviens plus de tout ça par contre. Bon, je pense pas trop que ce soit un rajout de la version PS2. Ok, j'ai sauté, mais un peu trop tard. Faut croire. T'as toujours la musique épique. Reprenons le thème principal de Rayman 2. En tout cas, quelques notes. Bah, faut juste sauter au bon moment. Bah, c'est un peu bizarre comment, comment l'écran se met là. Il se met pas en 16:9 là, il se met en quoi On voit une énorme bande noire en dessous et par contre une toute petite bande noire au-dessus. C'est assez chelou. Je sais pas si ça fera ça aussi dans la vidéo. Oui, je peux pas prendre ce tout. Ah, ça sent le boss. Ils ont zappé le boss. Ou alors il est plus tard, je m'en souviens plus.
Mais c'est bizarre, je me souviens quand même parfaitement sur DS qu'il y avait un niveau comme ça de lave dans la pyramide. Même je me souviens de cet endroit où on revenait plus souvent là. Et avec la lave au centre et l'entrée de la pyramide là, et la pyramide souterraine, un peu ça. Ah, je sais pas pourquoi ça me fait penser à une pyramide. Il y a beaucoup de trucs en polygone, voilà. c'est ça en fait. Et puis surtout le boss, voilà. Puis là, on l'a pas combattu. Clark pourrait t'aider. Va vite le rejoindre. Il t'attend à côté de la caverne du crâne. Je commence à être fatigué. Bon bah sur ce, voilà, ce fut la fin de cette épopée, enfin de cette partie. Mais c'est la moitié d'une épopée cette partie, hein, 1h30 purée. Ah là, ça recommence les parties très longues, ça recommence. Au pire, je la couperai peut-être en deux. Mais non, j'ai trop la flemme. Et puis ça fera bizarre de couper une vidéo comme ça sans dire à l'arvoyeur pour de nouvelles aventures. Voilà quoi, il y a des gens qui font ça, mais bon. Moi je n'aime pas trop ça, et puis bon, ouais, les vidéos de 10 minutes, ça va, voilà. Il y en a trop. Au moins, la chaîne Oliver Flav, c'est la seule à faire des vidéos aussi longues. Et puis c'est bien, ça propose beaucoup de contenu. Quand même, parce que une vidéo par semaine de 1h30, c'est cool. Donc voilà, vous voyez, magnifique panorama, voilà, en 2D. Avec les oiseaux au fond. Ouais, ça rend pas mal quand même. Bon, non, peut-être pas en bas là. C'est... Je dirais que les JPEG ils sont pas très bien placés. Ça fait une espèce de boss alors que ça devrait peut-être pas faire une boss. C'est une polygone avec le lac. C'est assez fou. Mais bon, pour un jeu de 1999, on va dire, ça va. C'est plutôt bon, joli. Mais encore, on n'est pas en 1999, on est en 2000. Bah, 2000. Bon, juste un an après, hein, quand même. Bon, je crois que c'est fin 2000. Je sais plus. J'avais dit la date de sortie de Rayman Revolution, mais je sais plus trop. Je commence déjà à oublier. Exactement, mais voilà. Donc voilà, c'était une grande vidéo, peut-être que vous êtes un peu ennuyé, je sais pas, parce que des fois j'ai laissé peut-être des gros blancs, j'y ai pas trop parlé. J'étais en mode concentration ultime, et puis surtout parce que je suis un peu fatigué. Il est un peu tard. Donc sur ce, je vous dis à l'arbre pour de nouvelles aventures, pour la partie 6 qui arrivera très prochainement.